Thomas, tu l'as menacé avec une arme? Oui, mais une fausse arme, une arme. Si je te dis quelque chose, tu me promets d'en parler à personne. Sandra, elle travaillait pour Maurice et Gingy. Gingy était l'agent de Sandra. Pars demain, maman. Quoi? Je pars demain, mais tu pars où? Dans le ciel, chez mon oncle. Quoi? Chez mon frère? Oui. Il est d'accord. Attends. Ça y est, tu pars. Oui, ça y est. Bon, tu veux vraiment pas qu'on t'accompagne dans le sud? Non, ça va aller, merci. Puis de toute façon, mon oncle vient me chercher à la gare. Tu passeras le bonjour de ma part. Oui, j'y penserai, allez. Bon, tu peux partir là, c'est bon? Il y a le taxi qui m'attend là, il doit être devant la maison d'ailleurs. Oui, il est là. Allez, au revoir, Alice. Salut, Max. Allez, salut. Salut, ma chérie. Maman, tu vas me manquer, maman. Toi aussi. Mais tu reviendras nous voir. Oui, promis, maman. Allez. Max, ma chérie. Même si tu me saoulais des fois, ça va faire pisse triste de plus te voir. T'inquiète pas, on se reverra, on s'appelle mon Max, mais oui. Papa, au revoir, allez, salut, allez, je dois y aller, il m'attend, allez, salut, Alice. Ouais, salut, allez, j'y vais, salut. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir tout le monde, hein. Salut. Oh, enfin débarrassé, tiens. C'est clair. Oh. Allez, au revoir. Enfin débarrassé. J'en pouvais plus de cette ville. Et de ma famille. Allez, elle est partie, quoi. Elle est partie. Elle est partie, quoi. Et on la reverra pas. Mais si, elle reviendra une fois par mois. Ah, oh, mais là, on la reverra pas avant un bon bout de temps. Bon, moi, je vais dans ma chambre. Salut. Max aussi, il est très triste, tu vois. Ouais. Allez, viens dans mes bras. Mais c'était une baisse quand même. Oui, ça je confirme, c'est une vraie peste. Je confirme, c'est une vraie peste, oui. Pour moi, j'y vais. Elle était contente de partir. Mais tu m'étonnes du comment elle nous a parlé. Non, ça va aller, merci. Allez, hasta la vista. Enfin débarrassée de ma famille et de cette ville de merde. J'en pouvais plus. Une peste, quoi? Eh ben oui, une vraie peste, je confirme. Mais c'est ma fille, et je l'aime. Logique. Bon, allez, on s'en remet maintenant. Il faut voir le bon côté des choses.
Max, il a deux lits pour lui tout seul. Faut voir le bon côté des choses. Oui, c'est vrai. Vous êtes passé me voir, c'est gentil, hein. Oui, oui, on s'est croisés là devant chez toi en arrivant. C'est le hasard. Le hasard fait bien les choses, effectivement. Oh oui, oui. Bon, allez, on y va, nous. Ouais, on va y aller, ok. Tu veux pas rester un peu, Christian? Non, non. Ouais, après, j'ai un rendez-vous, je vais être en retard. Un rendez-vous? Ah oui, avec Julien. Alex? Non, non, que Julien. Ah! Bon, allez, on y va, nous. Oui, oui, on y va. Ils sont partis. Bon, ça m'a fait plaisir. Ils sont venus hier, ils viennent aujourd'hui. Je pense que je suis en phase d'attraction avec mon ex. Je pense qu'il est en train d'essayer de me reconquérir comme l'autre. Je sais pas comment je vais faire. J'ai mes deux ex qui me retombent dessus. Je sais pas comment je vais faire. J'en ai aucune idée. Franchement, ce serait pas de refus un peu d'aide. J'en parle à Julien. D'ailleurs, je vais y aller, je vais être en retard. Alors, on y va. Ah oui, sac à dos. Je vais m'habiller. Allez, avance. Et crois-moi, je vais pas te lâcher, toi. Je vais pas te lâcher. J'ai planqué mon arme, elle était dans ma poche devant Hélène chez Hélène. Mais crois-moi, tant que j'aurai pas réussi à reconquérir Hélène, crois-moi, je vais pas te lâcher, toi. Allez, avance. Avance, je te dis. Alex, il faut que je te parle. Oui, quoi? Je t'aime, Alex. Tu le sais. Oui. C'est l'amour fou entre nous. Mais... Mais quoi? Non, rien, en fait. C'est pas bien important. Non, rien. Tu me fais peur, là, Bastien. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. C'est rien, c'est pas bien important. Je vais peut-être partir, mais c'est pas important. Comment ça, c'est pas important? Non, rien. Je t'expliquerai. Mais je vais revenir si je pars, t'inquiète pas. C'est pas important. Ouais. C'est pas bien important. Bon, j'y vais, moi. Ok. Faut que je voie Julien et... Faut que je passe au bureau. Je dois bosser. Ok. Allez. Je repasse ce soir si j'ai le temps. Allez. Bisous. Ok. J'ai bien réfléchi et c'est décidé. Aujourd'hui, je reste à Saint-Martin. Je ne prends pas la décision de partir maintenant en France. C'est encore trop tôt. Nicolas, il s'y est déjà préparé. Lui, il avait déjà revu Hélène. Il l'a jamais perdu, mais moi, si. J'ai décidé aujourd'hui de rester en France, à Saint-Martin. Je parle de la France, du coup, ça me perd. J'ai décidé aujourd'hui de rester à Saint-Martin. Encore quelques jours de plus. Et je vais appeler Nicolas pour lui en faire part. Je vais rester encore un peu et peut-être que dans quelques jours, je me sentirai prête à retourner en France. Qui sait? En tout cas, pour l'instant, je ne le suis pas. Oui, Nicolas. Écoute, je t'appelle pour te dire que je reste à Saint-Martin. Je rentre pas en France. Mehdi? Tu voulais me voir? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, salut Jonathan. Écoute, faut que je te dise que j'ai quitté Sandra. Oui, je sais, je l'ai vu Sandra. Et tu me l'as dit toi-même. Je sais, mais faut que tu prennes soin d'elle. Comment ça? Je pourrais pas assumer de l'avoir larguée et continuer à la voir, à lui parler. Comme si Dieu rien n'était. Comment ça, Mehdi? Mehdi, c'est toi qui l'as quitté. Faut que t'assumes, Mehdi. Oh, oh Mehdi, assume. Je suis désolée. Je peux pas.
Bon, Fanny rentre tout à l'heure et faut pas qu'elle ramène John ici. Si elle le ramène, on va se disputer. Faut pas qu'elle le ramène. Si elle le ramène, je pense que les mois, ça va partir en vrille et ça va aller. Bon. On s'appelle de temps en temps pour que je lui donne des nouvelles de Fanny, mais pas plus. Faut pas qu'elle le ramène ici. Vraiment, faut pas. Vraiment, pas du tout. Qu'est-ce que tu dis, maman? Oh, Anthony, je disais que fallait pas que Fanny ramène son père ici. Pourquoi? Parce que si elle le ramène, je vais me disputer avec lui. Bah, vous entendez pas? Pas trop, c'est pas en mauvais terme, on s'appelle juste de temps en temps, mais rarement, pour que je lui donne des nouvelles de Fanny. Hein? Moi, mon père, il est où? Il est en déplacement, le tien, Anthony. Oh, nul. Ben oui, je sais, nul. Mais bon. Bon. Bon, ça va, j'ai encore un peu de temps avant d'y aller. Je me suis pressée trop vite, un peu tout à l'heure. Bon, moi, j'ai sorti mon blouson, ça c'est fait. Et... ça c'est fait et... au moins, j'aurais juste à le mettre avant de partir. Vraiment, je trouve ça bizarre que Christian et Thomas se soient croisés juste devant chez moi. Enfin, comme par hasard, genre ils sont venus en même temps, quoi. Comme par hasard. Sans d'habitude, il vient pas tous les jours. Remarque normale, il est parti un mois. Remarque normale. Donc, bon. Ça caille dehors par contre, donc j'ai déjà des frissons là. Bon, donc je vais y aller. Ouais, je vais y aller, ça y est, là ça va être l'heure. Puis on se... je vais voir Julien et puis je vais lui dire ce que j'ai besoin de lui dire quoi. Allez, go, on y va. J'ai peur de ce qu'il va me dire. Mais bon, je le connais, Julien, il est super sympa maintenant. Bon, ça y est. J'ai eu Fanny, elle m'a donné le numéro d'Adrien. Ok, tu vas faire quoi maintenant? Bah, je vais aller le voir. Enfin, je vais l'appeler avant et après je vais aller le voir. Ok, bon, je vais aller voir maman, je vais la prévenir que je sors. Vas-y, il y a papa aussi, hein. Oui, je sais. Il y a papa, je sais. Tu viens? Oui. Allez. Attends. Quoi? C'est sûr que c'est une bonne idée. Mais... d'aller voir Adrien et de lui raconter ça. Mais évidemment, c'est lui qui a... putain, puisque c'est lui qui a tué Moretti, Junichi. Ouais. Bon, tu viens. Non, vas-y, tout seul. Bon, papa, maman, je sors. Ok, tu vas où? Je sors, je me promène un petit peu. Ok. Habille-toi, parce par contre, il fait froid. Oui, je sais. C'est pour ça que je vais m'habiller. Parce que c'est vrai qu'il fait très froid. Rien que d'y penser, j'ai déjà froid. Et oui. Et tu vas où comme ça? Je sors, c'est tout. Oh, tu te trouves une amoureuse pour demain? Pour la Saint-Valentin? Non, pas du tout, maman. Non? Non. Oh! Ok. Bon, j'y vais. Oui, habille-toi bien, par contre. Oui, je sais. Allez. Bon, bah... il a l'air d'avoir compris qu'il fallait s'habiller. Là, je pense que tu l'as bien ramené avec ça. Je pense qu'il a bien compris, oui.
Oui, mais c'est normal. Attends, t'as vu sa caille? Oui. Bon, en revanche, je pense que je sais où il va. Il va où? Ben, il va voir Adrien. Adrien? Mais pourquoi ça? J'ai entendu parler avec Aga et... Et quoi? Julien. Ah, Hélène, salut. Je suis désolée de pas avoir pu venir hier. J'ai mes deux ex qui me retombent dessus. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je sais, tu m'as raconté et ma pauvre, je sais que c'est pas facile. Hein. Je te comprends. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais conseille-moi enfin, hein, Julien. J'ai un ex qui se retrouve en tôle parce qu'il a tenté de me reconquérir. Et j'ai un autre ex qui a séquestré mon meilleur ami pendant 2 heures. Le temps de me retrouver. Enfin, Julien, qu'est-ce que je fais? Je te comprends, c'est pas ça. Pas du tout, Julien. Vraiment pas, non. Ouais, je te comprends, ma biche. Ma chérie. Bon, en revanche, je veux que tu prennes soin d'elle, hein, Jonathan. Ok, mais pourquoi toi, tu peux pas le faire? Bon, je te l'ai pas dit, mais je vais partir. Quoi? Comment ça? Attends, ça tient pas la route, cette histoire. Comment ça, tu vas partir? Je peux pas rester là, j'ai quitté Sandra, que j'aimais. Je suis stérile, Jonathan. Quoi? C'est pour ça? Oui, Sandra qui rêve d'avoir d'un troisième enfant et je peux pas lui offrir ça. Faut qu'elle m'oublie. Je préférais lui dire que je suis tombée amoureuse d'une autre fille. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, non? Pourquoi t'as fait ça? Attends, tu peux pas partir, c'est insensé cette histoire. Je vais partir, John. Je vais partir. Bon, en revanche, Jeanne m'a appelé, elle rentre pas en France aujourd'hui. Peut-être dans quelques jours. En tout cas, ça calme. Pourquoi il fait si froid dehors? Ça, faut demander à la météo. C'est pas moi qui fais le temps. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu Adixia, moi. Là, je suis juste devant chez elle. Mais elle doit être occupée, je vais pas la déranger. Je ne rentre pas aujourd'hui, demain je vais aller voir Hélène, puis j'irai peut-être voir Adixia dans la semaine, au début de semaine prochaine. Bon, en revanche, j'espère que maman, ça va aller, parce que là, ça va vraiment pas. Papa vient de la quitter il y a même pas quelques jours. J'espère que ça va aller, parce que là, ça va pas. Vraiment. J'espère que ça ira mieux demain. Enfin, demain. Dans quelques jours. J'espère qu'elle va s'en remettre. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, faut que je te dise que Sandra, elle travaillait pour Moretti et Gingy. Bon, qu'est-ce que tu veux, Félix? Pourquoi t'es venu? J'ai quelque chose à te dire. C'est important. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, faut que je te dise que Sandra, elle travaillait pour Moretti et Gingy. Quoi? Elle travaille. C'était l'agent de Sandra. Gingy était l'agent de Sandra. Quoi? J'ai découvert ça sur mon ordinateur. On peut y voir sur le tien si tu veux. Ok, on va y faire. Non, c'est pas possible, j'ai 16 ans, c'est pas possible que ce soit. Non, c'est pas possible. Bon, faut attendre 3 minutes maintenant, normalement. Bon, bah, on va attendre 3 minutes, mais j'espère vraiment que c'est. Que je le suis pas et que. C'est juste une petite gastro de rien du tout. Et que j'ai des vomissements depuis ce matin. Ça doit être le stress d'avoir retrouvé ma mère, mais c'est bon, tout s'est bien passé.
peux pas. C'est impossible. J'espère pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce test, c'est pas possible. Non. J'espère vraiment pas. Respire, Fanny, respire. Les toilettes m'ont aidé. Merci les toilettes, mais c'est pas la réponse que j'attends, ça, merci. J'attends de savoir cette réponse là, là, que j'ai de là, là, dans les mains, là. Ce test, j'espère qu'il est négatif et que je ne le suis pas. Ah, ça y est. Alors. Je suis enceinte. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Faut que je le dise à Jonathan. C'est pas possible. Faut que j'en parle à quelqu'un. Je t'ai dit que je te lâcherai pas. Et je te lâcherai pas. Je te le promets. Adixia, je veux que vous veillez sur Sandra. Toi et la bande là, je veux que vous veillez sur elle. En partie, toi et Jonathan, je veux que vous veillez sur elle. Mais oui, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis stérile, Adixia. Bah, Félix, t'étais où hier? Chez Adrien. Chez Adrien? Hein? Mais t'as été faire quoi chez Adrien? J'en reviens pas. Elle bossait pour nourriture. Je dois partir. Je vais laisser Alex, ça me dégoûte, mais je dois partir. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra.